Bonjour à tous, la montagne, ça nous gagne. Nous sommes aujourd'hui en Tarentaise pour une belle station, là, vous la connaissez certainement. L'une des plus grandes du monde, c'est la Plagne. À mes côtés, Rémi Conil, qui est directeur général de la Grande Plagne. Rémi, alors, bonjour Rémi d'abord. La Plagne, c'est la plus grande station d'Europe ou du monde ? Alors, la Plagne, c'est 55 000 lits touristiques. Oui, la Plagne, c'est 11 villages qui sont répartis sur le domaine skiable. On a 7 stations d'altitude et 4 stations villages. Et en termes de nuitées, on tourne à peu près au niveau de l'hiver sur 3 300 000 nuitées, ce qui fait effectivement la station la plus fréquentée du monde. Alors, nous, on aime bien la Plagne, cette émission. On est venu souvent ici. Alors, pourquoi est-ce que cette station attire ou séduit autant ? Alors la Plaine séduit parce qu'on est capable de s'adapter et de proposer des offres d'activités et de services adaptées à tout type de clientèle. Comme je l'ai dit, la Plaine c'est 11 stations reliées par un domaine skiable. Donc on a des stations de haute altitude, des stations de basse altitude, on a des environnements divers, des environnements d'alpage, des environnements boisés et des activités qui sont capables de s'adapter justement à cette différence de dénivelé. On retrouve des activités l'été essentiellement autour du VTT, autour de la course à pied. On a des sentiers trail adaptés à tout niveau de pratique et des activités, comme on peut le voir derrière moi, qui sont aussi adaptées que ce soit aux familles, que ce soit aux groupes de jeunes et pour tous les âges. Donc on peut dire qu'on séduit par le côté éclectique de notre destination. C'est une diversité et puis surtout un alpage, un domaine extraordinaire, une surface énorme ici. Très grande surface, oui, grand domaine, c'est un grand terrain de jeu, on a plus de 150 km d'itinéraire VTT dédié au vélo électrique, on a plus de 200 km d'itinéraire VTT de descente, donc voilà, grand domaine et grand espace. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude ici, sur le front de neige on le dit bien. Et il faut le dire aussi, ça ne manque jamais, quasiment jamais de neige à la Plagne. On ne manque pas de neige, effectivement. La saison dernière était assez exceptionnelle dans toutes les Alpes. Oui. Mais nous, en tout cas, sur la Plagne, à 2000 mètres, on a cumulé 9,20 mètres sur toute la saison à 2000 mètres. Donc c'est assez exceptionnel, effectivement. Alors, clientèle, j'imagine, internationale, la Plagne ? Internationale, oui, donc essentiellement française en majeure partie, et puis ensuite beaucoup de clientèle de Grande-Bretagne en top 2, belges et hollandais aussi beaucoup. La Plagne reliée depuis maintenant quelques temps à sa voisine les Arcs, le paradis du ski. Hein. Paradis ski, effectivement, donc, qui nous relie par le Vanoise Express au domaine des Alpes, donc le domaine skiable de Paradis ski. En hiver, offre 425 km de pistes, dont 225 qui sont localisés sur le domaine de la Plagne. Alors la Plagne, on connaît bien, c'est aussi un village ou des villages anciens, puisque la Plagne a été créée il y a maintenant presque 60 ans déjà. Presque 60 ans, effectivement, la Plagne, le site dans lequel on se trouve, donc, qui est donc Plagne Centre, était la première des stations de la Plagne, qui a ouvert donc, en décembre 1961. Donc effectivement, en 2021, on aura la chance de fêter les 60 ans de la Plagne. Alors justement, les pionniers, on en verra d'ailleurs un après dans cette fin d'émission, ont pensé que c'était l'endroit pour faire du ski en qualité et en quantité. Je crois qu'ils ne se sont pas trompés parce que presque 60 ans plus tard, la Plagne a quand même parcouru toute une histoire. Et on est là aujourd'hui, voilà, on est parti d'une station de Plagne Centre. Aujourd'hui, la Plagne, comme je le disais, c'est 11 stations. Et quand on voit l'engouement de la clientèle pour le ski l'hiver, on se rend compte que c'était le bon pari. Et puis l'accès est facile ce matin. On a grimpé avec François la caméra les virages qui montent jusqu'ici. Donc pas à grande vitesse, on respecte bien sûr la vitesse. Mais il y a bonne route et c'est à quelle distance à peu près de Chambéry, Annecy ? C'est assez rapide. Hein ? Alors on ne va pas parler de distance, mais plutôt de temps. Voilà. Sur Chambéry, on est à peu près à 1h15 de route. Annecy, à peu près pareil. Donc voilà, ça reste une distance, on va dire, compatible avec aussi du ski à la journée, du ski au week-end pour la clientèle régionale. Et puis Rémi, aujourd'hui, il fait 37 degrés dans les vallées. Il faut rappeler que les stations ici à 2000 mètres, eh bien, c'est là qu'il faut venir. C'est peut-être l'avenir de ces stations, finalement, d'expliquer que bah, l'air est pur, l'air est frais. Eh ben, regarde comme on est bien, nous. Il fait 22 degrés, là, on a un t-shirt et nickel, hein, on n'aurait pas besoin de clim. Donc 40 dans les vallées du sud de la France, la Plagne, la Savoie ici, la fraîcheur. Regardez, fais un petit plan, François, sur les VTT qui sont là-bas. Regardez-moi ça, ils sont heureux comme tout, les enfants sont bien. Et puis, il faut le dire aussi, c'est en montagne qu'on se refait aussi les globules rouges. Eh ben, tout à fait, la montagne c'est la nature, la montagne c'est la santé, en tout cas c'est ce qu'on essaye de dire. Et quand on voit notre clientèle qui s'amuse et qui se fait plaisir, effectivement c'est l'occasion aussi de faire un petit peu de sport quand on n'a pas forcément l'occasion d'en faire toute l'année. Absolument, et le symbole n'a pas changé, c'est le bonnet rouge avec les lunettes,
Ça aussi, ça, c'est un sigle, c'est un signe de la plagne. Voilà, bah même l'été, hein, on nous connaît pour le bonnet rouge. C'est un symbole qui est parti de l'hiver au départ. Mais effectivement, c'est un logo qui nous suit depuis de nombreuses années et puis qui n'a pas fini de nous suivre parce que tout le monde le connaît. Et voilà, des temps forts dans l'année, on va expliquer que ce soit l'hiver ou l'été, ça bouge à la plagne. Eh bien, ça bouge. Donc, on vient de terminer la semaine dernière la 6000D, qui était le plus gros événement de l'été sur la Plagne. 3500 coureurs, 65 km de course. Un vrai rassemblement pour les trailers. De trailer, on dit bien du trail. La 6000D, ça se passe à la Plagne, ça se passe en juillet chaque année. Voilà, c'est ça. Et puis là, sur le mois d'août, on a deux beaux événements avec le Festibike, qui va être le premier rassemblement de vélos électriques pour les pratiquants de vélos électriques et puis toutes les personnes qui voudraient se remettre un petit peu au sport, redécouvrir cette pratique. Donc ça, ça aura lieu le 15 août. Et puis, la fête de l'alpage aussi, qu'on retrouve comme chaque année. Donc, fête de l'alpage avec les vaches, les carons, les costumes traditionnels d'époque aussi. C'est très sympa pour le patrimoine. Et voilà, la Plagne, nous y sommes pour vous, amis téléspectateurs, dans la place du village, c'est un bonheur. Il faut y faire un tour l'été, ça comme on respire bien ici. Et puis l'hiver se prépare dès maintenant pour vous. Bah, l'hiver se prépare dès maintenant. On ouvrira à la Plagne le 15 décembre. On ouvrira par un grand week-end festif avec des animations musicales, avec aussi une course pédestre à obstacles. Aussi, ça, voilà, un petit peu pratique à la mode, pratique sportive. Le domaine skiable donc, ouvrira le 15 décembre. Et puis ensuite, en cours de l'hiver, on retrouvera différents événements comme la Grande Odyssée. Une course de chien de traîneau. Magnifique course hein, de chien de traîneau. Voilà, qui fait étape à la Plagne. On retrouvera aussi cette année une Coupe du Monde de cascade sur glace dans les stations de la Plagne, plus précisément sur Champagny, qui fait partie de la station et du domaine relié. Et puis des événements comme Sublissime aussi, en fin de saison, qu'on organise chaque année à destination de la clientèle familiale pour se faire plaisir sur le ski de fin de saison. Allez, je vais inventer un slogan pour la Plagne. La Plagne, ça nous gagne! Il danse pas mal, hein? Eh ben nickel, allons-y, hein. Alors avec un panorama, parce qu'on n'a pas dit, mais on l'a vu sur les images, le Mont Blanc juste en face. Le Mont Blanc, voilà, partout où on se situe effectivement sur le domaine, sur les stations d'altitude, on peut voir le Mont Blanc, donc on skie face au Mont Blanc dans des sites qui sont juste magnifiques. Eh ben merci beaucoup Rémi d'avoir reçu ici. Dans un instant, on va monter, allez, à l'une des fruitières, une fromagerie les plus hautes de France, peut-être pas d'Europe. On va rencontrer Eric Montmailleur et puis après on ira voir un pionnier fondateur de la Plagne. Il y a cru et il a bien fait. Bah écoutez, n'hésitez pas maintenant. Destination vacances, pensez à la Plagne. Merci Rémi. Merci à vous, à bientôt. Bon été à vous, c'est chargé. Oui, c'est chargé, on vous attend nombreux. Merci beaucoup. La Plagne, presque une forme de démesure dans la station de ski, évidemment, mais aussi dans l'agriculture. À mes côtés, Eric Montmailleur, qui connaît bien l'endroit, puisqu'il travaille et travaillait sur les domaines ici. Hein. Voilà, je suis en permanence sur les alpages, aussi bien l'été que l'hiver, hein, puisque l'hiver, c'est avec des skis aux pieds, et puis voilà. L'été, bah, c'est avec des chaussures pour faire le tour de tous ces pâturages. On va en parler justement, parce que c'est important de dire qu'il y a pas mal de vaches qui, dans l'été, pèsent sur les alpages de la Plagne. Voilà, il y a pas mal de vaches, effectivement, hein, puisque l'alpage de la Plagne, c'est 2500 hectares, hein, puisqu'on est une des plus grandes stations au monde, donc on est aussi un des plus grands alpages de la zone Beaufort, en tous les cas. Hein, donc 2500 hectares, c'est deux groupements pastoraux qui se sont réunis. Hein, le groupement pastoral qui fait partie de la commune de M-la-Plagne, hein, donc la partie Longefoy, et la partie Maco, hein, qui est devenue la Plagne Tarentaise depuis les regroupements de communes. Quoi. Mais ces deux communes ne sont pas regroupées ensemble pour l'instant, donc je chapeaute eh ben, en fait, les deux groupements pastoraux qui sont réunis à travers l'atelier de fabrication qui est la fromagerie des alpages de la Plagne. Et voilà, nous y sommes ici, cette fromagerie à plus de 2100 mètres d'altitude. Voilà, quasiment 2200 mètres au-dessus de Plagne Village, qui regroupe le lait de tous ces troupeaux hein, dès qu'on franchit la limite forestière hein, des 1600 mètres pour partir en direction du glacier de Bellecôte hein, qui culmine lui à 3008. Mais bon, les vaches ne montent pas jusque là-haut. Hein, on monte jusqu'au niveau de Roche de Miau hein, à 2800 mètres à peu près. Quoi. La montagne partagée, la montagne vivante, c'est ce qu'il faut dire, dites dans l'été là. C'est vivant, on entend les chiens de traîneau là-bas, on a vu les vaches un peu plus bas. Voilà, oui, tout à fait. Puis dans quelques instants, vous allez voir les VTT, hein, parce que ça ne va pas tarder d'être l'heure où ils vont commencer à bouger au travers des remontées mécaniques. Quoi. Eric Montmailleur, tout ça pour le Beaufort.
Faut-il encore le présenter? C'est le prince des Gruyères, c'est quand même un grand fromage. Voilà, tout à fait, hein, c'est le meilleur des fromages, hein, on ne va pas dire le contraire. On l'a goûté aussi, nous. Hein. Voilà, tout à fait. Quoi. Ouais. Donc tout ça, bah, oui, pour préserver un produit de qualité. Et votre fils a repris le virus, dans un instant on le verra, et il aime ça aussi, parce que c'est aussi transmettre au travers des générations. Voilà, ouais, tout à fait. Quoi. C'est essayer de mettre en place les choses pour faire en sorte qu'elles puissent durer dans le temps et pas que ce soit juste un passage éclair. Quoi. Bon, pour l'instant, mon fils, il est encore jeune. Hein, il a que 17 ans. Il a que 17 ans, mais bon, ça a l'air de l'intéresser hein, puisque bah, pour ses vacances scolaires estivales, bah, il a choisi de venir faire un petit mois là, sur l'atelier de fabrication hein, parce qu'apparemment, ça a l'air de le passionner. Quoi. Dans un instant, on verra René, justement, le fromager attitré depuis 10 ans ici à la fromagerie des Alpages de la Plagne. Et bien sûr, le fiston, tiens, il nous parlera de sa passion déjà, tout jeune, mais passionné. Allez, merci Eric, et bientôt bon vin à vous. On retrouve Charlie, le fiston d'Eric, à l'heure du Cérac. Il faut nous dire ce que vous faites ici, hein. Bah on fait du cérac, là, je suis en train de mouler le cérac. Donc c'est après avoir fait le beaufort, hein, on récupère le petit lait, on le refait bouillir et on met du vinaigre dedans pour sortir le cérac. Voilà. Comment on le mange le cérac? Il y a une occasion, on met... Le cérac, on peut le manger tout le temps, ah ouais. Voilà, avec ce qu'on veut, frit, fondu, à la poêle, en salade, même avec de la confiture le matin si ça vous fait plaisir. Hein, voilà. Tout le monde peut faire du cérac comme il veut. Et puis voilà. Oui, ça. Et on va dire aussi que c'est en vente à côté, il y a une petite boutique où il y a tous les bons produits fabriqués ici. Voilà, tout ce qu'on fait ici est de Savoie, voilà, tous des produits régionaux, locaux, et ça reste très local. Ah, c'est du bon. Rappelez bien, on est à la Plagne, c'est à 2200 mètres pratiquement que ça se passe ici, c'est tout l'été que c'est ouvert. Et Charlie a la passion, une passion de l'agriculture. C'est exactement ça, moi je suis en études dans lycée agricole, là, à la mode Servolex. Il a 17 ans seulement. Et un passionné, et il sait déjà ce qu'il veut faire comme métier plus tard. C'est ça, agriculteur, je vais reprendre la ferme de mon père, il n'y a pas de souci pour ça. Et il y a de quoi faire, j'allais dire, il y aura du boulot. Et c'est ça, il y a du boulot, mais ça ne me fait pas peur, ça me fait plaisir, et on continuera. Un grand merci, un grand bravo en tout cas, c'était Charlie, ici, qui fait son stage, enfin, qui travaille d'ailleurs ici à la fromagerie, c'est un vrai travail, levé à 4h du matin. 5h, ouais, c'est ça, 5h du matin jusqu'à 20h le soir. Voilà. Merci Charlie, bon été, à bientôt. Merci, à bientôt. Ah oui, merci. On retrouve en plein travail René, le fromager, depuis plus de combien de temps ici, René? T'es là? 15 ans. 15 ans maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'instant même? Là, on est en train de faire les retournements. Ah ouais. Donc, tous les jours? 3 fois par jour. Alors on explique bien qu'à la fromagerie, il n'y a pas d'affinage en tant que tel ici. Hein. Non, c'est que la fabrication. Tu partiras en bas bientôt? En bas à la coopérative AM ou à la cave de Mako. René, ce métier de fromager, c'est un métier passion? Oui, il faut, je crois. Surtout ici, tout l'été, presque 2200 mètres d'altitude. Hein. Oui, c'est ça. Un cas du pays? Il faut. Alors, c'est quoi le bonheur de travailler à cette altitude ici, dans cette région aussi superbe? Un super cadre. Ouais. Par contre, le boulot reste physique. Hein. Ah bah ça, après, il faut quand même. Ouais, on n'y regarde pas quand on a le cadre qui est à côté. Ça compense. Comment on fait du bon Beaufort? Là. Un savoir-faire. Tu ne diras pas la recette. Hein. On essaye de faire après. Température, il y a tout ça. Tout un savoir-faire. Ouais. En tout cas, un grand merci. On rappelle bien sûr la petite boutique à côté où on trouve tous les produits. Voilà, c'est ça. Le Beaufort de l'année passée qu'on revend après. Merci et bon courage et bon été, surtout de nous avoir répondu en plein travail. On le dit bien ici, transpire également. Merci beaucoup. L'émission à la Plagne se poursuit, c'est un bonheur, on a pris l'air pur, le grand air pur, et la station avec ce succès, on le dit bien aujourd'hui mondial, on le doit entre autres, mais aussi grâce à lui à mes côtés, c'est mon invité, c'est Gilbert Vivet-Gros. Gilbert, on est très heureux de vous avoir à nos côtés. Eh bien, je vous remercie, voilà. Si je peux vous être utile. Absolument, parce que dans cette émission où on parcourt quand même les alpages, les stations, on n'oublie jamais d'où on vient.
Ah non, non. Si on ne suit pas ses origines, on ne fait rien dans la vie. Ouais. Hein. Et vous connaissez bien cette station, vous qui passez une bonne partie de votre vie ici à Plagne 1800, avec des vues d'ailleurs magnifiques depuis votre chalet. Vous êtes, avec d'autres, à l'origine de cette idée de station à la Plagne. Oui, on en fait partie d'une équipe de rêveurs, comme on nous a souvent appelé, hein, dans tous les sens du terme. Alors rêver, ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-haut. Ben oui, on vivait dans une conjoncture économique qui se durcissait de jour en jour dans la vallée. Les usines débauchaient, les mines annonçaient leur fermeture, les mines de charbon en particulier, annonçaient leur fermeture. Et c'était des gros pourvoyeurs d'employés qui venaient de nos communes, de nos régions. Et tout le monde commençait à être catastrophé. Les jeunes ne trouvaient plus de travail et étaient obligés de quitter la région pour aller vers les villes qui, elles, avaient besoin de main-d'œuvre. Et c'était l'appauvrissement encore en plus de quelque chose qui était indispensable pour la vie de nos régions. Quoi. Donc vous vous êtes dit à un moment donné, ben, et si on pouvait créer une station là-haut, les jeunes, on les garde chez nous ? Oui. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait faire comprendre à ces solides paysans du coin, et là je leur rends vraiment hommage parce que ça a été des gars très intelligents, que le tourisme, parce qu'on ne disait pas station de ski, on parlait de tourisme, absolument, faire venir des gens dans nos montagnes, tout ça, ça risquait d'handicaper un peu les exploitations qui étaient sur place, les prés, les champs, les machins. Ouais. Et il a fallu faire comprendre aux gens que peut-être en faisant par la suite une station de ski, on pouvait créer des emplois, créer un avenir nouveau. Que sera-t-il dans quelques années ? Mais enfin, pour l'instant, je crois que la Plagne, c'est une, soyons pas prétentieux, mais une réussite. C'est une belle réussite. Depuis le début de l'émission, on l'a montré en image, on le confirme effectivement. Alors, il vous a fallu convaincre ces gens et vous avez fait la tournée des bistrots. Alors, avec le docteur Borion, puisque c'est ce personnage ce emblématique qui avait un immense respect, c'est un grand résistant, qui a vu le déclin de notre région. Et quand il faisait les réunions dans les communes, il a tendance à dire... Nous vivons dans un beau pays, dans une belle région, mais nous sommes en train de mourir petit à petit et personne ne viendra nous aider. Il faut que nous nous prenions en main et que nous fassions quelque chose. Cet homme était très respecté dans le coin. Je vous l'ai dit, il a passé une vie terrible pendant la résistance et les gens l'aimaient beaucoup et lui faisaient confiance. Et cet homme s'est mis à la tête d'une petite équipe de rêveurs dont j'ai fait partie, voilà. Comme j'avais fait beaucoup de ski en étant jeune, ce qui n'était pas une référence. Oui, mais c'était une façon d'abord de... Vous connaissiez le terrain, si j'ose dire. Voilà, je connaissais bien le terrain de la Plagne, mais j'avais eu, au cours de mes déplacements, faire de la compétition en étant jeune, eu la possibilité de découvrir des stations comme Val d'Isère, Megève, faire des épreuves de ski assez importantes. Mais ça n'était pas une référence pour les gens du pays. Et il a fallu... C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. C'était ce que je dis, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour ces terriens qui étaient attachés à leur profession d'agriculteur de montagne. Alors, il y a une photo où on voit le docteur Borion avec une maquette de la Plagne. C'était quand, ça ? Alors ça, c'était dans les années 57, quand on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose et il fallait qu'on se promène dans les bistrots de nos communes pour expliquer aux gens, suite aux réunions que le docteur Borion avait programmées. Moi, je portais la maquette, je me tenais en retrait, bien sûr, parce que j'étais un petit rigolo. Et le docteur Borion présentait le domaine skiable qu'on pouvait exploiter à la Plagne, entre Bellantre, Maco, M et Longchois. Voilà ce qui a été prévu au départ. Ce qui a permis de faire
de créer, sous l'impulsion des autorités savoyardes, des grands patrons de la Savoie qui avaient en main la station de Courchevel, département. De voir qu'il y avait quand même des gens qui prenaient des initiatives et qui s'attachaient à ce qu'ils avaient fait. Et c'est comme ça qu'on a pensé un jour à créer une station qui... Alors, la question, c'est qu'on a ce rêve, mais comment ce rêve devient réalité? En 1960, c'est le début, l'ouverture de la station? Oui, alors il a fallu faire une route, c'était sur la commune de Macou, il a fallu que les autres communes, le budget de la commune, je vous parle en ancien franc, était de 30-40 millions de francs, le projet de la route était de plus de 120 millions, ah oui, d'accord. Hein, la commune de Macou ne pouvait pas emprunter, donc les autres communes, c'est là qu'on voit la solidarité montagnarde, l'intelligence de ces gens, ils ont porté caution à la commune de Macou. Il faut savoir que chaque commune, c'était des frontières entre les communes. Sais, frontières. Hein, c'était des frontières. Et pour que les gens apportent la caution à la commune de Macou, il fallait qu'il y ait un lien. Fallait qu'il y ait un projet plutôt bien ficelé. Voilà. Alors ce projet, ben, il s'est fait de fil en aiguille par des gens qui, de bonne volonté, par des gens qui avaient l'envie de sortir un peu, de s'en sortir eux-mêmes. Absolument. Voilà. Alors les premières constructions, la route, je comprends, mais en 60, il n'y a pas beaucoup de bâtiments là-haut. Non. Alors, c'est la société moderne qui avait pris des parts de marché pour faire la route. Et s'est intégrée à l'idée de faire la plagne. Elle est rentrée dans le jeu, dans notre jeu. Absolument. Simplement, en 60, l'hiver 60, l'entreprise moderne a déposé le bilan. Ah zut. Et alors, ça a été pour nous une catastrophe. Hein, parce que c'est là qu'on était vraiment considérés comme des petits... Oui, mais ça va quand même continuer ensuite. Alors, ensuite, il faut rendre hommage à des gens comme Michaud, l'ingénieur des ponts et chaussées, enfin tout le staff départemental, qui s'était beaucoup investi pour aider les communes à faire ce projet de la plagne. Et ces grands dirigeants de Savoie ont contacté des entreprises, les grandes entreprises savoyardes comme Botto, Ratel, Oliva, Pégase et Pujat, qui ont repris la faillite de la moderne. Et tout ça est rentré petit à petit dans l'ordre, ce qui a permis aux entrepreneurs, aux petites entreprises locales, qui se trouvaient dans une situation catastrophique, de pouvoir... Continuer. Être payé et continuer. Je vous remercie de nous avoir reçus ici, puis on veut savoir aussi la recette, parce qu'on voit votre père ici faire un poirier à 80 ans. Vous, c'est pareil, c'est les mêmes gènes. J'espère. Vous souhaitez également. Mais je n'ai pas fait exprès. Alors, il y a aussi l'intérieur où vous nous recevez ici avec votre compagne Agnès, c'est formidable ici. Ce chalet a une histoire. C'est un chalet de mes grands-parents qui avaient ici des vaches et qui avaient une écurie avec des vaches sous nos pieds. La partie où nous sommes, c'était une salle de séjour, quoi. Et puis, j'ai voulu conserver ce site et je viens passer tous mes étés ici. Voilà. Et voilà. Et puis le regard pour terminer cette interview que vous portez sur la plagne d'aujourd'hui, le rêve est devenu une vraie réalité. Ah ben ça. Même au-delà peut-être. Vous savez, il faut toujours faire les choses quand on les rêve. Quand on a la chance de pouvoir aller au bout, eh ben, je suis relativement ravi. Et je vous comprends. Et on va vous remercier. Cette émission prend fin. Et l'émotion qu'on a à finir avec Gilbert, c'est de rappeler que l'histoire de nos pays de Savoie, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme ou l'industrie, on le doit à des pionniers qui y ont cru et qui sont allés au bout. C'est aussi ça, l'âme savoyarde. Ben, j'espère qu'on maintient cette âme et que nos vieilles traditions, qui ne sont pas toujours parfaites, mais qui nous servent à venir à 92 ans. Et continuer encore à aller plus loin, jusqu'à 100 ans et plus. C'était Gilbert, merci à la caméra. C'était aujourd'hui François Genoula. La plagne, n'hésitez pas à réserver dès maintenant. Bien sûr l'hiver, mais aussi l'été, c'est magnifique. On y respire le grand air. À demain pour un nouveau rendez-vous dans la Place du Village. Et merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, il y a un Facebook, la Place du Village, n'hésitez pas. Il y a plein de choses à voir. Merci, portez-vous bien et bravo et merci encore pour tout. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, ça nous fait toujours très plaisir.
parce qu'on est peut-être un peu amoureux, trop, peut-être, de notre pays, et quand on la voit... Il y a de l'émotion. C'est que de l'émotion. Merci beaucoup. Merci.